Bébé? Salut, tu es réveillé? Oui, je le suis, mais où est-ce que tu vas? Je rentre à la maison, pourquoi? Mon amour. Mon amour, je n'en ai pas encore terminé avec toi. J'en veux encore plus. Ok, mais tu dois savoir que le petit boss doit aller au travail. Ah, s'il te plaît, épargne-moi ça. Est-ce que je ne te donne pas assez d'argent? Hey, je t'ai demandé de te relaxer. J'ai travaillé pour tous les deux. Alors, s'il te plaît, reviens dans le lit. Mais allez, ça, c'est ton argent à toi. Il n'y a pas de mal à ce que je travaille mon argent. Bébé. Mm-hmm. Une idée m'est venue à l'esprit hier et je me suis dit que je devais la partager avec toi. D'accord, il s'agit de quoi? Pourquoi ne pas aménager avec moi? Aménageons ensemble, ce sera tellement plus fun. Ne le penses-tu pas? Aménager avec toi? Uh-huh. Pourquoi ne pas penser à se marier avant d'aménager ensemble? Je sais, mais qui s'en soucie? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à ce qu'on vive ensemble. Nous pouvons commencer maintenant. Cet endroit est le meilleur endroit de toute évidence. Et pardonne mon langage, tu sais pertinemment que cet endroit est tellement mieux que ton horrible, crasseux appartement de deux chambres. Vraiment? Chérie, je suis désolée, mais... Vraiment? Aménage dans mon duplex. Ça nous permettra d'être ensemble et tu le sais ça. Allez, d'accord, d'accord. Tu sais quoi? Dis-moi. Je vais y penser. Mais maintenant, je dois aller au travail. Non. Tu ne vas nulle part parce que j'ai un paquet surprise pour toi. Une surprise? Oui. Et qu'est-ce que c'est? Bébé, fais-moi confiance. Le paquet surprise est déjà en chemin à l'heure où je te parle. Alors, s'il te plaît, reviens dans le lit. D'accord? Ce paquet surprise, est-il au lit? J'ai déjà dit que c'était en chemin. Allez. Est-il au lit? J'en veux plus. Je serai au salon. Ah non! Hey! Reviens ici. Certainement pas. Attends, mince. Toujours autant pressé. Salut, bébé. Mon amour est de retour. Salut, bébé. Je vais bien. Ah. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi, non. Quelque chose vient de se produire. Quelqu'un est mort? Non, non. Personne n'est mort. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je dois retourner à la base demain. Ce n'est pas possible, bébé. Tu es juste rentré il y a 3 jours de cela. Je ne comprends pas pourquoi tu devrais y retourner. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'aurais aimé que ce soit le cas. Mais mon congé a été subitement coupé. Mon nom a été sélectionné pour ceux qui doivent aller en Somalie pour le maintien de la paix. Bébé, il n'est pas question que cela arrive. Ce n'est pas juste. Bébé, tu sais que ça ne dépend pas de moi. Je suis un soldat. Je viens à l'instant de recevoir le message. Juste pour quelques semaines. C'est qui le plus mignon? Le petit bout de chou. Oh, fais comme ça. Samuel, nous devons parler. Papa doit à nouveau repartir. Ouais, je sais. Et moi aussi, je ne suis pas fier de cette situation. Tu sais que papa est un héros. Mmh.
en essayant de sauver le monde pour construire un avenir meilleur pour toi et tes frères. Alors, sois un bon garçon. Prends soin de ta mère à mon absence. Ok? Parce que tu es l'homme de cette maison à mon absence. Ok? Ouais. Maman est juste là et... Elle aussi, elle n'est pas contente de la situation. Alors, donne-moi juste une minute pour parler à ta mère, ok? Bon garçon. Bébé, écoute, ce n'est pas de ma faute, ok? Je suis désolé. Je n'ai pas planifié tout ceci. J'espérais vraiment que ces vacances soient pour nous, mais la situation... Je suis rassuré qu'en parlant à Sam, il me promettait de prendre soin de toi en mon absence. Ok. Écoute, bébé. Je suis désolé. Ne pense surtout pas que je t'ai pris à la légère. Je ne savais pas que tout ceci allait se produire. Laisse-moi juste partir et je te promets que ça ne prendra pas longtemps. Je serai de retour. Je te fais la promesse. Je te promets. Alors, souris pour moi. Ça, c'est mon bébé. Viens là. Alors, venons auprès de Sam. Sam, ta maman est là, ok? Écoute, n'oublie pas ce qu'on s'est dit. Tu prends soin de maman et tu prends aussi soin de toi. Alors, viens là. Ah. Tu as dit que qu'est-ce qu'ils font encore? Tu sais quoi? J'en ai marre d'attendre. Je vais partir. Calme-toi. Allô? Où est-ce que tu es, bon sang? Oh, tu es déjà là? Bien. Mon amour, bien, le paquet est déjà là. Quel paquet? Allez, viens. Allons à l'extérieur. Viens. Allez, lève-toi. Pourquoi lèves-tu ton esclave n'importe comment? Viens juste avec moi. Attends un moment. Dépêche-toi. Oui. Hé, les clés, s'il te plaît. Les papiers. Merci, tu peux partir. Mon amour, je viens juste de t'acheter une voiture. Et voilà. Allez. Et ceci est à toi. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Est-ce que j'ai l'air de blaguer? Ceci est ta voiture, mon amour. Je l'ai achetée pour toi. Tu l'aimes? Bébé, tu as envie de me tuer? Pas du tout. Je sais. Je l'adore. Je sais que tu... Waouh. Ah, c'est très propre. Oui, bien sûr que ça l'est. Ça, c'est très bien. Je sais. Oh, bébé, tu m'as vraiment choqué. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que je pourrais bien faire sans toi? Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Tu sais quoi? Dis-moi. Tu mérites un traitement. Oh, ouais. Bébé, tu sais que je suis lourde. Ouais. Oh.
Wow, bébé. Je suis juste wow. Écoute, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Je sais, n'est-ce pas? Eh bien, mon petit cœur est désormais propriétaire d'une voiture. Voiture offerte par moi. Mais je vais faire mal partout là-dehors. Merci. C'est bon. Viens là. Fais juste une chose pour moi. N'importe quoi, bébé. N'importe quoi. Mentionne-le juste. Je veux dire, je... Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ok, nous pouvons sortir en semaine. Je peux faire ton petit déjeuner demain matin. Tu sais quoi? Oublie ça. Je te ferai un dîner en soirée. Mets-moi enceinte. Hein? Oui, mon petit cœur. Mets-moi enceinte. Je veux avoir un enfant de toi. Je veux porter ton enfant dans mon ventre. Alors, comme je disais, mon amour, je désire avoir un garçon et une fille de toi. Tu sais, c'est si drôle pour moi de savoir que tu veux qu'on ait des enfants sans être mariés. Qui a dit qu'on ne pouvait pas se marier? N'est-ce pas une possibilité? Bien sûr que ça l'est. Nous sommes censés être mariés, mais nous ne le sommes pas encore. Alex, regarde-moi. Je ne suis plus une petite fille. Ou alors je le suis. C'est pour cette raison que je voudrais que tu sois le père de mon enfant. Peut-être de mes enfants. Et je te promets que je vais généreusement te récompenser pour ça. Je t'ai acheté une voiture aujourd'hui, n'est-ce pas? Ouais. Et je te promets que je peux encore faire plus. J'ai de l'argent pour ça. D'accord? Je pense que mon frère est là. Oh, vraiment? Ouais. Le soldat! Tu es là! Content de te voir, mon frère. Comment tu vas? Bien. Ma femme, Ariette. Salut. Ariette, mon grand frère. Ravi de vous rencontrer. Moi de même. Ah, je n'espérais pas te rencontrer ici. Je dirais pareil pour toi. Ah, tu connais l'histoire de ma vie, un soldat. Tu veux quelque chose à boire? Oh non, c'est ok. D'accord. Alors, qu'y a-t-il de si important que tu veuilles me voir aujourd'hui? J'ai un petit souci. Ça ne te dérange pas qu'on puisse discuter de ça ici? Ok, bébé. Oh, allez-y. Ok, tu vois, elle est ma... Vas-y, tu peux tout me dire. Bon, Ben m'a demandé de rentrer à la base demain. Demain? Je veux dire, tu viens juste de rentrer et tu as dit être là pour longtemps. Oh oui. Eh bien, mon congé a été écourté. Je suis maintenu parmi ceux qui iront en Somalie pour le maintien de la paix. Wow. Ouais. Et alors, qu'attends-tu de moi? Alex, j'aimerais bien que tu passes de temps à autre à la maison. En fait, premièrement, Brian, mon programme ne me le permet pas. Et en plus, je ne suis pas un bon visiteur, tu Écoute, le sais déjà. Je te comprends. Je te comprends vraiment, ok? Mais tu sais, tu es le seul en qui j'ai confiance. Tu es mon frère. Mon fils est encore tout petit et ma femme est à la maison. J'aurais besoin de quelqu'un comme mon père autour d'eux en mon absence. Ok. Ok, je vais essayer. Je ferai de mon mieux. Oh, merci beaucoup. C'est pour ça que nous sommes des frères. Je verrai ce que je peux faire. Je me sens maintenant en paix, sachant que tu le feras pour moi. C'est toi le soldat. Si je saoule, tu es celui qui m'empêchera de faire des dégâts. N'ose même pas, tu risques couper. Bien sûr que non, tu es sûr que tu ne veux rien à boire? Ah, non, c'est bon. Merci pour ton temps. Hey. Merci. Alors, content de t'avoir rencontré. Plaisir partagé, fais un bon voyage. Tu fais un coucou à Christabel. À la prochaine. Le soldat. Alex, j'espère que tu n'as pas l'intention d'aller vivre là-bas. Bien sûr que non. Bien. Alors, un toast pour nos bébés. À nos enfants. Bien. Ouf.
Pour combien de temps partiras-tu? Honnêtement, je ne sais pas. Probablement, je ne mettrai pas long. Je serai certainement là dans 3 mois. Je l'espère. Salut, Buchu. Papa doit partir maintenant. N'oublie pas ce dont on a parlé. Ok? Prends bien soin de ta mère. Je t'aime, mon garçon. Alors, bébé, il est temps. Viens là, bébé. Cesse de pleurer. Bébé, s'il te plaît, cesse de pleurer. Écoute, écoute, écoute. Je te promets que ce ne sera pas pour longtemps. Ok? Je dois le faire. Pour nous. D'accord? Bébé, je dois partir. Tu vas devoir partir. Où est-ce que tu vas? J'ai une réunion d'affaires. Un client à moi veut que je l'aide à gérer ses biens ce matin. Ok, je vois. Bébé, je n'aime pas cet acharnement et ce dévouement pour ton travail. Ça ne nous laisse pas assez de temps pour rester ensemble. Ok, tu sais quoi? Appelle ce monsieur tout de suite et annule. Et pourquoi le ferais-je? Je te donnerai 1 million de naira à l'instant. Pour avoir toute ton attention pendant 1 mois. Pas de travail, pas de réunion d'affaires, rien du tout. Juste toi et moi, tous les deux, cloués dans ce lit. Qu'est-ce que tu en dis? Ok, ok, ok. Tu as gagné. Hmm? Nous avons un deal. Super. Alors, quand est-ce que tu aménages? Allez, bébé. Allez. Tu m'as fait une proposition. Ne précipitons pas les choses. Attendons le meilleur moment. Je ne pense pas qu'on précipite les choses. Ne vois-tu pas que je t'aime? Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime tellement. Ok, bébé. Je t'aime aussi. Je... Alors, fais-le. Emménage avec moi, mon amour. Je t'aime tellement. De tout mon cœur. J'aimerais... dormir... à tes côtés, toutes les nuits. Et me réveiller à tes côtés tous les matins. Je veux juste que tu sois à mes côtés à tout moment. Faisons que ça arrive. Et surtout maintenant qu'on planifie avoir un enfant. Ah, des enfants. Ok, tu sais quoi? J'aménagerai quand tu tomberas enceinte. C'est tout ce que je veux. Eh bien, on verra. Maintenant, viens, viens. Nous allons bien, bébé. Nous allons bien. Ah, ça me va bien. Il vient juste de terminer de manger. Qu'en est-il de toi, bébé? Comment vas-tu? Je vais bien. Tu nous manques également, mon chéri. Des nouvelles de mon frère Alex? Il était là aujourd'hui. Qui? Alex? Bébé, ça fait 2 semaines que je n'ai pas vu Alex depuis que t'es parti. Attends une minute, tu m'as pourtant dit qu'il était là.
là longtemps. Ouais, et ça faisait 2 jours après ton départ. Depuis là, je ne l'ai pas vue. Es-tu sérieuse? Bien sûr. C'est pas grave, je vais essayer de l'appeler pour en parler avec lui. Bébé, tu ne dois pas te stresser. Nous allons bien. Alors, qu'est-ce qu'il en est de toi? Sais-tu quand tu rentreras à la maison? Non, pas encore. Je suis épuisé. Viens avec moi, viens qu'on le fasse. Bébé, viens. Je suis épuisé. Attends. Non. Attends. Oublie ça. Laisse-moi voir qui m'appelle. Mais... Je dois prendre cet appel, c'est la femme de mon frère. Mais nous sommes en train de faire quelque chose. Excuse-moi, s'il te plaît. Allô? Alex, mon fils est malade. Il a la température élevée. Je dois l'amener à l'hôpital. Wow. Quand est-ce que ça a commencé? Cette soirée. Mais ça ne baisse pas. Je lui ai donné des paracétamol, mais rien. Écoute, je veux juste faire savoir que je vais à l'hôpital. Et dans quel hôpital vas-tu l'emmener? Modern Child. J'y vais tout de suite. Ok. Je te rejoins tout à l'heure. Et conduis prudemment, s'il te plaît. Ah, qu'est-ce que c'est? On doit emmener le fils de mon frère à l'hôpital. Et puis quoi? Continue avec ce qu'on est en train de faire. Mais que veux-tu dire par là? Tu as entendu ce que j'ai dit? Un peu de compassion. Ah, je ne comprends pas. Donc, aller à l'hôpital est plus important que ce qu'on est en train de faire ici? Alex, c'est à toi que je suis en train de parler. Je n'en ai pas terminé avec toi. Alex, docteur, lui, c'est mon beau-frère. Ok. Comment va-t-il? Docteur, est-ce qu'il va mieux? Donnez-moi une minute. Madame, ton fils a besoin d'une transfusion sanguine d'urgence. Il manque de sang. Mon Dieu, où sommes-nous supposés avoir du sang? Nous pouvons vérifier à la banque de sang s'il y a une de compatible, n'est-ce pas? Bien, malheureusement, nous n'avons pas de banque de sang dans cet hôpital. Mais je peux vous référer, vous pouvez en avoir. Ça sera un très long processus. Vous pouvez vérifier le mien, n'est-ce pas? Si c'est compatible. Ok, bien, venez avec moi pour qu'on fasse les tests nécessaires. D'accord, je reviens. Avec cet idiot. Mais que diable fait-il toujours à l'hôpital? Bébé? Alex, ne me mens pas. Où est-ce que tu es? Je suis toujours à l'hôpital. Quoi? Tu ne vois pas l'heure qu'il est? Certainement, je ne vais pas rentrer ce soir. Je vais passer la nuit est-ce ici. Est-ce que tu es malade? Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Laisse-moi t'expliquer. Je n'ai besoin d'aucune stupide explication venant de toi. Juste, rentre à la maison maintenant et fais ton travail. Harriet, arrête d'être insensible, ok? Le fils de mon frère est gravement malade. Il est brûlant. Je t'assure que tout son corps chauffe énormément. Je dois passer la nuit ici parce que j'ai des tests à effectuer pour lui donner mon sang. Je m'en fiche si tu dois lui donner ta vie. Juste rentre à la maison un instant. Et viens gentiment me faire l'amour. J'ai besoin d'être enceinte. Je ne peux pas le faire maintenant. On se verra demain matin. Oh. Mon Dieu. Alex ne vient pas juste de me raccrocher au nez, après tout ce que j'ai eu à faire pour lui, après tout ce que je planifie de faire pour lui. Je vois que tu te pousses des ailes maintenant. On verra. Nous allons voir ça. Nous allons bien le voir. Je vais bien, bébé. Ah, comment vas-tu? Je vais bien. Comment va mon garçon? Oh, bébé, il y a un problème. Sam est tombé malade. J'ai dû l'amener à l'hôpital. En fait, je suis juste venue prendre
une ou deux choses, j'y retourne. Es-tu sérieuse? Oui, et Alex a dormi avec lui à l'hôpital. Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Il faisait de la fièvre. Oui, le docteur a dit que c'était le palu. Ensuite, il a eu besoin d'une transfusion sanguine. Alex lui a donné son sang. Ça, c'est bien. Alex est resté à l'hôpital avec lui. Oui, il l'a fait. Quand j'irai à l'hôpital tout à l'heure, il pourra rentrer chez lui. Laisse-moi l'appeler immédiatement pour savoir comment va mon garçon. D'accord, bébé. Je te rappelle après, bébé. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vraiment mignon. Merci, t'as apporté de la nourriture. Merci beaucoup. Il dort paisiblement. Je pense que Sam est un garçon fort et ceci est dans les gènes. J'étais juste au téléphone. Je faisais un appel vidéo avec son père. Ouais. Vous avez eu un appel vidéo? Ça, c'est bien. Tellement inquiète. Henriette? Retrouve-moi dehors, maintenant. Qui est-ce? Elle, c'est ma copine. Donne-moi juste une minute. Désolée. Hé, bébé. Ton papa a appelé. Tu sais, tu n'as pas besoin de faire cette comédie. Retrouve-moi à la maison, maintenant. Espèce d'idiot. N'importe quoi. Pourquoi m'as-tu giflé en public? Alex, tu es devenu fou? Je te demande, est-ce que tu as perdu la tête? N'ose plus jamais refaire ferme ça. Ferme ta bouche et écoute-moi très bien. Je ne peux pas dépenser mon argent et ne rien avoir en retour. Est-ce que tu t'écoutes parler actuellement? Dis-moi, est-ce que tu t'entends parler? Le fils de mon frère est couché à l'hôpital. Je m'en fiche si le monde entier venait à être malade. Est-ce que j'ai l'air de m'en soucier? C'était juste pour une seule nuit. Mon chéri, c'est une nuit ne signifie rien pour toi, cela signifie quelque chose pour moi. Les gens tombent enceintes en une nuit. Je t'ai acheté une voiture aussi chère juste pour que tu me mettes enceinte. Et est-ce que tu as fait ton travail? Non, 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 et encore non. Il y a juste 2 semaines, je t'ai donné 1 000 000 de naira. Et pas plus tard qu'hier, je t'ai donné 200 000 naira. Mon chéri, tout ce que j'ai fait, c'est pour que tu sois heureux et pour que tu me mettes enceinte. Tu ne cesses de parler. Parler sur le fait de tomber enceinte. Attends un peu. Est-ce que c'est un coup monté ou autre chose? Quoi? S'il te plaît, arrête de te prendre la tête et concentre-toi sur le fait de me mettre enceinte. C'est de ma faute si t'es pas enceinte. Alors c'est la faute à qui? À moi? Je ne sais pas, tu devrais te poser cette question parce que où nous en sommes, nous l'avons fait de partout. Dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la voiture, dans la chambre, partout. 3 fois par jour, sans protection. Henriette, pose-toi cette question. Ne sois pas ridicule. Retrouve-moi dans la chambre maintenant. Tu dois être en train de plaisanter. Alex. 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 Tu oses me tourner le dos? Je t'ai acheté une voiture. Oh non. Alex. 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 Reviens ici! Je peux voir que le petit est maintenant très actif quand il est Oui, vous avez raison, docteur, quand il était malade. Un bébé très actif. Oh, ça c'est bien. Rassure-toi de prendre le reste des médicaments à la pharmacie. Oh oui, lui on le fera et tout. Docteur, de combien notre facture? Oh, ça... Ton beau-frère ici présent, ça n'est chargé. Êtes-vous sérieux? Alex! Allez...
Merci beaucoup. Non, 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 non. Ce n'est rien. C'est mon devoir de le faire. Tu comprends? Ce n'est rien. Que Dieu te bénisse. Ce n'est rien. Docteur, quelque chose d'autre? Non, rien. Rassurez-vous juste d'avoir le reste des médicaments à la pharmacie. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il est temps de rentrer à la maison. Merci encore, docteur. D'accord, docteur. Prenez soin de vous. Hein. Il est temps de rentrer à la maison. Oh, bébé. Oh, on va à la maison. En fait, le rêve de tous les hommes. J'aurais souhaité la rencontrer avant lui. Je commence sérieusement à être fou d'elle. Cette mauvaise idée me hante l'esprit. Sam. Il est dans la chambre. Oh, je lui ai gardé de la crème glacée. Comme si tu savais qu'il aime ça. Merci beaucoup. J'ai hâte de dire à son père que tu viens très souvent. Il sera très excité. Allez, c'est rien du tout. Une crème glacée est-elle une bonne nouvelle? Toi, Alex? Je t'en prie. As-tu des nouvelles de... mon mari? Je veux dire qu'il n'a pas appelé depuis 2 semaines déjà et... Non, non, je n'ai pas de ses nouvelles. Ça fait un bon bout. Je suis inquiète. Comme... aucun message, rien du tout. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Il est certainement occupé à maintenir la paix. Alex, tout va bien? Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. J'étais un peu perdu dans mes pensées. Je ne cesse de penser aux affaires que j'ai eues à traiter hier. C'est d'accord. Sinon... ta petite amie qui t'appelle toujours là, as-tu demandé sa main? Quand est-ce que tu le feras? Quand on parle du loup... Oh, vrai. C'est elle qui appelle là. Allô? Salut, mon amour. Salut. Tu es scotché à la fenêtre depuis que tu es arrivé ici. C'est quoi le souci? Ce n'est rien. J'ai beaucoup de choses dans ma tête. Je réfléchissais. Réfléchir à quoi? Rien. Ne te soucie pas de ça, ok? Ok. Allons dans ma chambre. Pourquoi faire? Idiot. Pour me faire l'amour. Quoi d'autre? Attends un peu, s'il te plaît. Quoi? C'est mon frère aîné. Nous n'avons pas de ses nouvelles depuis 2 semaines. Alors dis-moi, en quoi cela est supposé être mon affaire? En quoi cela est supposé être ton affaire? As-tu des sentiments des fois? Écoute-moi très bien, Alex. Tout ce qui m'intéresse actuellement, c'est de tomber enceinte. Alors lève-toi tranquillement de là, viens me retrouver dans la chambre et fais ton travail. Mon boulot?
si je t'ai bien compris, te rendre enceinte est devenu mon boulot. Tu rigoles? Tu penses que je t'ai acheté une voiture pour rien? Allez, viens avec moi. Excuse-moi. Ah, Alex, tu sembles oublier une chose. Tu m'appartiens. Tu m'appartiens, Alex. Mais quel garçon ingrat! Je fais absolument tout pour toi, mais qu'est-ce que j'obtiens? Tu me tournes le dos. Peut-être que je devrais lui faire croire que son mari est mort. Oui. Si elle croit qu'il est mort et qu'il ne reviendra plus, ça m'aidera à la convaincre facilement. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Mon frère peut être réellement mort. Cela explique le pourquoi il n'a pas fait signe à sa famille depuis des mois. Peut-être qu'il avait le pressentiment de sa mort. Cela explique le pourquoi il m'a demandé de toujours veiller sur sa famille. Et le fait que l'armée reste muette. Cela rend vraiment crédible mes suspicions. Oui. Oui, oui. Brian est mort. Daniel? Madame? S'il te plaît, ouvre le portail. D'accord, madame. Salut. Alex. Comment bonjour, tu vas? Je bonjour. Vais bien. Comment tu vas? Bien, bien, bien. Et toi, ça va? Je vais bien. Et comment se porte mon garçon? Il va bien. Il a les tâches. Il vient de prendre son... Oh, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, je pensais, pour changer d'air, ça sera vraiment super qu'on sort pour se distraire. Tu veux nous faire sortir? Oui, je veux dire... pour changer d'air. Je veux dire, je sais que mon frère a l'habitude de vous faire sortir les samedis. Des fois à la piscine, des fois au cinéma. Alors... nous pouvons le faire. Merci beaucoup. Brian sera très content. Très ravi de l'entendre. Je t'en prie, c'est rien. Comme tu peux t'en souvenir. Alors tu peux aller à l'intérieur, rencontrer Sam. J'ai quelque chose okay, à faire. Ok, ne nous fais pas attendre. Ok, j'arrive tout de suite. Foutaise. Tu veux faire exploser mon téléphone? Mais pourquoi m'appelles-tu sans arrêt? J'ai reçu plusieurs appels manqués aujourd'hui. Quand tu appelles une personne une ou deux fois, la personne ne prend pas, cela signifie que la personne est occupée. Tu attends que la personne te rappelle. Que fais-tu? Retrouve-moi dans ma chambre, maintenant. Et que Dieu te protège si tu ne parviens pas à me satisfaire. Hey, non, ne fais pas ça. Je n'ai plus de force. Harriet, viens ouvrir cette porte. Mais c'est quoi toutes ces bêtises? Non. Je n'ai plus de force pour ces choses de nuit. Non, je suis épuisé, je suis fatigué. C'est quoi toujours faire? Salut. Comment vas-tu? Je ne vais pas bien. Que se passe-t-il? Alex, je n'ai toujours pas de nouvelles de mon mari. Ça fait 2 mois déjà. Je suis allée à la gendarmerie et il n'y a aucune nouvelle de lui. Les officiers à qui j'ai demandé m'ont dit qu'ils n'ont aucune nouvelle d'une mission en Somalie. Ensuite, j'ai essayé avec son numéro du bureau. Les 2 numéros sont indisponibles. Alex, je suis confuse, je suis inquiète.
J'ai quelque chose à te dire. Qu'est-ce que c'est? C'est à propos de Brian. Alex, qu'est-ce qu'il y a? Un numéro inconnu m'a appelé depuis la Somalie. Je pense que c'est l'un des soldats nigériens. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Tu dois être forte. Il a dit que mon frère est mort. Non. Non. Et il m'a dit que certains rebelles somaliens ont fait exploser la voiture. Et ils ont perdu plus de 40 soldats. Qu'est-ce que tu dis? Je ne pense pas qu'ils vont te laisser voir le corps. Alex! L'armée nigérienne a... Calme-toi, Christabel. Alex! L'armée nigérienne n'a pas pu divulguer la nouvelle pour éviter la panique autour. Et je pense qu'ils ne vont jamais en parler. Brian! Brian! Non, ne... Brian! 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 Christabel! Attends! Laisse-moi où est-ce que tranquille. Tu vas? Alex, laisse-moi. Je vais aller chercher mon Dis-moi mari. Dis-moi où. Même s'il faut que j'aille en Somalie. Non. Ne me fais pas ça. Non. Écoute. Je peux comprendre comment tu te sens. Mais c'était aussi quand même mon frère. C'était mon frère. Je l'aimais. Regarde ton fils. Tu ne peux pas l'emmener sous le soleil pour la Somalie. Tu ne peux pas faire ça. Aie pitié de ton enfant. Alex, mon mari. Désolé. Je suis Alex, désolé. Mon mari. Désolé. Alex, mon mari. Le soleil avec l'enfant. Bébé. Allez, tiens. Santé. Mon amour, tu n'as pas l'air d'aller très bien. C'est quoi le problème? Dis-moi. Mon frère, il est mort. Tu veux dire le mari de Christabel? Oui. Eh bien, je suis désolée de l'apprendre. Que son âme puisse reposer en paix. J'espère que je pourrai enfin avoir ton attention maintenant. Mon attention? Que veux-tu dire? Retrouve-moi dans la chambre. Et laisse les morts s'occuper d'eux-mêmes. Laisse les morts s'en aller. Viens, je t'attends. Salut. Salut, Alex. Bien, et toi, comment tu vas? Je vais bien, Alex. Comment tu vas? Bien. Et comment va Sam? Oh, il va bien. Il est à l'intérieur. Ok. Voilà. Tiens, ce que je vous ai gardé. Oh, Alex. Merci. Aucune nouvelle de lui, toujours? Christabel. Pourquoi te faire tant de mal? Mon frère est mort. Il est parti. Il ne reviendra plus jamais. Oh, Alex, ça fait 5 mois. Je sais. 5 mois. Et l'armée nigériane ne dit rien par rapport à ça. Ses supérieurs ne cessent de dire qu'ils me répondront bientôt. Quand? Jusqu'à quand? Ils ne disent probablement rien parce que... ils ne savent pas comment te dire qu'il est mort.
Ils ne savent pas comment. Ok, regarde. Le bailleur m'a appelé ce matin pour me dire que le loyer était expiré. Je n'ai pas d'argent, je ne fais rien. Je ne peux même pas gérer un business. Je n'ai pas les idées en place. Pourquoi suis-je là, dis-moi? Et tu te soucies à propos du loyer? Je suis là pour prendre soin de toi. Tu sais quoi? Je t'enverrai l'argent du loyer aujourd'hui. Oh, Alex, que Dieu te bénisse. Allez, du courage. Si. C'est mon devoir de prendre soin de toi. D'accord? Tu es tellement stressé. Tu dois te relaxer, ok? Nous allons au cinéma, d'accord? Oh, vraiment? Ça te plairait? Je vais te faire sortir. Je suis prêt. J'ai quelques gâteaux, des pop-corn, de la crème glacée, j'ai tout. Ça, c'est un bon plan. Et qui est-ce que tu emmènes au ciné? Harriet. Alex, est-ce que tu es devenu fou? Combien de fois est-ce que tu m'as emmené, moi, ta chérie, au cinéma? Hein? Harriet, cette attitude est très honteuse. Tu es tombée si bas à ce point, me harcelant partout dans la ville, me suivant partout, c'est ce que tu fais maintenant. Alex, ferme ta bouche. Non, sérieux, tais-toi. Et honnêtement, j'en ai vraiment plus que marre. Je suis fatiguée de tout ceci. Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. Mais tout ceci n'a absolument aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment peux-tu t'introduire chez quelqu'un et avancer toutes ces bêtises? Est-ce que tu sais à qui appartient tout ceci? Tu ne peux pas faire ça. Oh, vas-y et juge-moi. Pourquoi ne le ferais-tu pas? C'est ce que tu fais de mieux ces jours. N'importe quoi. Madame, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse mon homme tranquille, d'accord? S'il te plaît, laisse mon homme en dehors de tes multiples problèmes. Non, mais plus sérieusement, pourquoi ne vas-tu pas demander à ceux qui ont envoyé ton mari en Somalie de venir te tenir compagnie? Pourquoi Harriet, ne le fais-tu pas? Harriet, hein? Alex, c'est quoi ces absurdités? Je suis désolé pour tout ça. Je vais régler ça. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Lâche-moi! Laisse mon homme tranquille. N'importe... Brian, tu vois ce que tu as causé? Tu vois ce que tu as causé? Sans souci. Demain, c'est son anniversaire. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre cela mémorable pour elle? Je vois. Je vais appeler Bennett pour m'aider. Je n'avais même pas cité comme c'est. Aujourd'hui,
Je ne savais. Alex, allez. Tu as planifié tout ça. Oui, attends. Je les ai eus à la dernière minute. Tu as demandé à ta cousine de me faire sortir comme ça. Oui, oui, et ça a marché. C'était l'idée d'Alex. Il fallait que je t'invite, que je te retienne pendant 20 minutes. Ça a marché. Merci. Exactement. Ça, c'est magnifique. Ok, il est temps de couper ton gâteau, ma chérie. Oh. Coupe ton gâteau et fais un vœu. Nous allons prier le Seigneur. Et ensuite, tu pourras couper le gâteau. Que chacun prenne son gobelet, son gobelet, son gobelet. Bon, 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 bon. Tu dois tenir le petit de ce côté. Ah. Tu veux couper le gâteau avec maman? Allez, ok. Coupons le gâteau. Nous allons appeler le nom de Jésus. Et ensuite, tu coupes. Ok. Ok, donnez-moi un J. J. Donnez-moi un E. E. Donnez-moi un S. S. Regarde. Un U. U. Un autre S. S. Joyeux anniversaire. Finalement, j'ai pu faire dormir Sam. Ce garçon. Ah! Épuisé. Je suis fatiguée. Alex. Je ne sais même plus comment te remercier pour tout. Alors, en ce qui me concerne, j'ai totalement oublié qu'aujourd'hui c'était mon anniversaire. Jusqu'à ce que j'entre avec Bennett dans la surprise. Ha! C'était si magique. Dieu! J'ai adoré, adoré, adoré ça. Tu sais, ce que je ne comprends pas, c'est comment les gens peuvent oublier leur anniversaire. Tu ne me blâmeras pas, n'est-ce pas? Je sais. Et je ne voudrais pas que tu te sentes mal maintenant. Je ne sais plus vraiment à quoi penser, Alex. Tout ira pour le mieux. Tu n'as pas à te mettre la pression. D'accord? C'est supposé être un moment joyeux pour toi, ton anniversaire. Je veux que tu sois heureuse et ne pas laisser place aux ondes négatives. Ne te fais pas ça. Tout ira pour le mieux. C'est d'accord. Ça sera ainsi. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. De quoi est-ce que tu parles? Ce que je veux dire... C'est elle qui appelle, n'est-ce pas? Ouais. Certainement, je dois partir. Ah, mais tu as dit quelque chose par rapport à la Saint-Valentin. Que voulais-tu dire? Quand je reviendrai demain, on en reparlera, ok? Ok, d'accord. Ne sois pas stupide. Je te le demande encore une fois. Où étais-tu passé depuis le matin? Harriet, tu dois arrêter de hausser le ton inutilement. Alex, tu ferais mieux de répondre à ma question maintenant. Sinon, je te promets que je déverserai ma colère sur toi. Me menacer maintenant? J'en ai marre de ça. Alex, pour la dernière fois, je te le demande. Où étais-tu passé depuis le matin? Vu que tu veux absolument le savoir, je vais te satisfaire. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la femme de mon frère. Et je lui ai accordé un traitement comme mon frère l'aurait fait. Ferme cette saleté que tu appelles bouche. Maintenant, écoute-moi très bien. Je t'interdis de t'approcher encore de cette femme. Quoi? Son mari est mort. Son mari est mort. Laisse-la trouver un autre homme, se marier et te laisser tranquille. Laisse-la aller de l'avant avec sa vie. Tu dois avoir perdu la tête. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as compris parfaitement. Alex, tu as le culot? Tu as l'audace de m'insulter? Après tous les millions que j'ai dépensés sur toi? Après tout l'argent que j'ai dépensé sur toi? Je t'ai acheté une voiture. Passe une bonne nuit. Alex, où est-ce que tu vas? Est-ce que tu m'as touché?
Est-ce que tu m'as satisfait? Est-ce que tu as fait ton travail aujourd'hui? Je n'ai pas le temps pour ça. Reviens ici. De toute façon, je suis sûre que tu reviendras. En pleurant et en suppliant pour plus. Espèce de rat d'égout. C'est quoi tout ceci? Je n'ai pas besoin de ça. Ah. Regardez qui va là. Salut. Salut. Comment tu vas? Bien, 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 bien. Bienvenue. Merci. Joyeux Saint-Valentin. Alex. Merci. Joyeux Saint-Valentin à toi. Merci beaucoup. Et si tu allais te changer pour qu'on puisse sortir? Sortir? Alex, je ne suis pas d'humeur pour ça. Pourquoi ne l'es-tu pas? Tu devrais l'être. Mon frère, n'est-ce pas? Mais allez. Brian n'aurait pas été heureux de savoir que tu es tendu actuellement à cause de l'épreuve qui aurait pu lui arriver. Il aurait voulu que tu sois heureuse. Il aurait voulu que tu vives encore un peu. Allez. Ok, ok. Et même si je voulais sortir, je n'ai rien à me mettre. Est-ce que tu as bien cherché? Tu mens. Alex, est-ce que... Oh! Ouais. Il y a même une carte de Saint-Valentin. Spécialement pour toi. Bonne Saint-Valentin. Oh! Toi, c'est garde. Toi, c'est homme. Et tu sais rien? Tout cela est pour toi. Regardez-moi ça! Oh mon Dieu, c'est adorable! Ouais, je l'adore. Mais j'espère que ça t'ira. Ça ira. Jusqu'à ce que je l'essaye. D'accord. Ok, je vais aller m'habiller. Et je m'habillerai pour ça. D'accord. Ok, je t'attends. Merci. Cet endroit est vraiment chic. Oui, très. Tu sais, j'ai fait une très longue liste des choses que nous allons faire aujourd'hui. Après que nous ayons fini de manger, j'aimerais qu'on aille au parc aquatique. Oh, vraiment? Oh, super! Pour que Sam puisse bien s'amuser. On va s'amuser. Mais ensuite, nous allons faire un peu de shopping. Et enfin, nous allons faire un tour au cinéma. On dirait un plan. Si nous sommes épuisés, on va rentrer à la maison. Non, 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 nous avons du boulot. Il y a ce bar qui ouvre ce soir. Il y aura beaucoup de petits coins chics pour tous les clients. As-tu entendu ça? Bou, 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 bou. C'est génial. Ne t'inquiète pas. J'ai tout planifié. Sam, tu aimes ça, n'est-ce pas? Qui était-ce? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas important. Ok. Bou, 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 bou. Tu t'amuses? Tu t'amuses? Tu t'amuses avec papa? Tu t'amuses? Mais qui est là? Non, que cherchez-vous? Et où se trouve cette femme qui se fait appeler ta patronne? Elle n'est pas là. Hein? Elle n'est pas là. Quelle journée! Ah, je n'en pouvais plus de tous ces bouchons. Attention, attention, ouais, attention. Ouais, je vais bien. Ça, nous sommes à la maison. Nous sommes à la maison, mon grand garçon. Tu t'es amusé? Est-ce que tu t'es amusé, dis-moi? Ok, tu l'amènes dans sa chambre. Ouais.
Ne le fais pas tomber. Non. Hein. Désolée, mon bébé. Sois prudente. Tiens là, sois prudente. Tiens, tu te souviens de ce chauffeur qu'on a croisé sur le chemin? Quel chauffeur? Oh! De quoi tu parles? Je me suis bien amusée aujourd'hui. Vraiment? Oui. Moi de même. Avoir Sam autour. Je le sais, bien sûr. Elle est juste incroyable. J'ai tellement hâte qu'elle soit mienne pour toujours. Oh, mon Dieu. Je la désire énormément, au plus profond de moi. Alex. Alex. Où étais-tu passé pendant toute la journée d'hier? Et pourquoi est-ce que tu étais en ton téléphone toute la journée? Mon téléphone? Mon téléphone est ma propriété privée. Ce que je fais avec, c'est mon affaire. Je ne pense pas avoir des explications à donner. Non? Non? Il est évident que tu me dois des explications par rapport à ce que tu fais de ta putain de vie. Alex, j'ai investi des millions dans ta vie. Par conséquent, tu me dois toute ton attention. Ariette, tu sais quoi? Pas aujourd'hui. Je n'ai pas le temps pour me disputer, s'il te plaît. Je vois. Maintenant, tu me traites de fauteuse de troubles, c'est ça? Écoute, je n'ai pas de temps pour ça. Alex, où étais-tu passé hier, le jour de la Saint-Valentin? Bien, si tu veux le savoir, je suis sorti. Je suis sorti avec Christabel et son fils. Quoi? Et tu m'as laissé faire le pied de grue? Ah! Alex! Tu ne viens pas juste de me gifler. Non, je t'ai embrassé. C'était comment? Doux, n'est-ce pas? Prends soin de ce que tu as dans la main. N'ose plus jamais. Tu sais quoi? Tout ceci a trop duré. Tout ce blabla que nous faisons. J'en ai marre. Je suis fatigué. Mensonge. Très gros mensonge. Tu ne peux pas y mettre fin. J'ai l'eau dans la bouche. Je t'ai acheté une voiture. Vraiment? Bien. Cette voiture ne va plus me terroriser et m'anéantir. Prends, mange-la. Mange. Attends. Je ne veux plus jamais te revoir dans ma vie. C'est fini. Maintenant, écoute-moi très bien, jeune homme. Si tu penses que tu peux m'utiliser et me jeter comme un produit périmé, alors attends-toi au pire. Est-ce que tu m'entends? Bien. Regarde-moi partir. Alex. Alex, ne fais pas ça. Espèce d'ingrat. Tu ferais mieux de revenir ici. Tu ferais mieux de revenir ici. Reviens ici. N'as-tu pas déjà conduit cette voiture?
Ce qui s'est passé hier était une erreur. Pourquoi c'était une erreur? Je veux dire, ce n'est pas moi. Au contraire, c'était l'un des meilleurs moments de toute ma vie. Alex, je suis la femme de ton frère. Mon défunt. On aurait pas dû faire ça. La femme de mon défunt frère. N'oublie pas ça. Alex. Mon frère n'est plus là. Mettons tout ceci derrière nous et... et soyons heureux. Puis-je te dire quelque chose? Quoi? Je suis tellement amoureux de toi. Alex, arrête! Pourquoi tu es comme ça? Écoute, Alex, tu dois arrêter de compliquer les choses. S'il te plaît, tu as une femme, tu devrais te concentrer sur elle. Non, quelle femme? Harriet? Non, nous ne sommes plus ensemble. J'ai mis fin à notre relation. Hmm? Crois-moi. Je t'aime tellement que je ne peux me contrôler. Tu peux sentir mon cœur battre. S'il te plaît, donne-nous une chance. Une seule fois. Donne-nous une chance. S'il te plaît. Salut. Tu avais l'air si inquiète au téléphone. Alex, tu te souviens que je t'ai dit hier que je ne me sentais pas bien. Ensuite, je me suis réveillée ce matin et c'était toujours la même chose. Je ne me sentais pas du tout bien. Alors, tu n'as pas l'air alors bien. Alors, j'ai dû aller à l'hôpital pour savoir ce qui ne va pas avec moi. Alex, je suis enceinte. Je suis enceinte de toi. Avoir un bébé. Tu es enceinte? Tu es enceinte? Viens là. Es-tu heureux? Bien sûr que je suis heureux. Ceci mérite d'être célébré, ma chérie. Tu sais, oui, mon frère a été un très bon mari pour toi. Et un très bon père pour Sam. Mais je veux au plus profond de moi être un très bon père et un très bon mari pour toi. Ça, ce n'est pas bien, Alex. Non, 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 ne le sois pas. Hein? Ne le sois pas. Je veux faire de toi ma femme. Oui, je veux t'épouser. Et cet enfant qui est juste là, ma chérie, c'est une étape et une très bonne direction. Je suis certain que tout ira sûrement pour le mieux, ok? Il y a Harriet. Tu as une femme et elle te veut toujours et... Oublie, Harriet, nous avons rompu. J'ai même rendu la voiture qu'elle m'a offerte. J'ai mis fin à tout, nous ne sommes plus ensemble. Je suis libre maintenant. Nous pouvons faire ce que nous voulons. Écoute, Alex, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas que quelqu'un vienne là et qu'elle m'accuse d'avoir volé son homme ou autre. Personne ne te créera des problèmes, ok? En es-tu sûr? Je te le promets. Ok, tu sais ce qui va se passer. Quoi? Quoi pour mon bébé? Tu vas me donner ton téléphone. Et je le garderai avec moi. Et mon si téléphone. À la fin de la journée, elle appelle, ça signifiera que tu ne me dis pas la vérité. Ok. Tes désirs sont des ordres. Tu auras ton téléphone demain. Tout ce que tu dis, bébé, on l'exécute. Ouais. Voilà.
Salut. Salut, Morgane. Cache l'honneur, s'il vous plaît. Oui, c'est Christabel. Ça fait un bail, ma puce. Je pensais que tu n'avais plus mon numéro. Ah non, désolée. Malheureusement, je ne l'avais plus. Ça fait vraiment longtemps, quoi. 4 ans? Ça fait vraiment longtemps. Comment tu vas? Je vais bien. Je vais très bien. Comment va Californie? Bah, rien d'inquiétant. On se bat comme on peut. Ok. Et de ton côté, ça... Morgane, j'ai une faveur à te demander. D'accord, ma puce. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, je voudrais cloner un téléphone. Et j'aimerais que tu m'aides pour ça. Pourquoi? Ton téléphone a été volé? Tu t'es fait agresser? Non. C'est le téléphone de mon partenaire. Allez, ma puce, tu sais que tu peux... J'ai comme l'impression. Je pense qu'il voit toujours son ex. Alors, j'ai besoin de cette information pour avoir des idées claires. Ah, ok. Je comprends ce que tu veux. Ok. Tu vas me l'envoyer? Je vais l'envoyer. Ok, merci. comme au bon vieux temps. Oh, allez, arrête. D'accord, merci. D'accord, j'attends ça. Ok. Ok, bye. Bye. Ok, elle a dit qu'elle allait l'envoyer. Dans ce cas, je vais attendre. Alors? On a appelé? Non, elle n'a pas appelé. C'est pour ça que tu es chez moi à cette heure-ci. Non, tu me crois maintenant? Oui, évidemment. Super. Je n'ai pas dormi de toute la nuit. Pourquoi? Tu sais comment ça se passe. Elle ne m'a pas appelé depuis hier que je t'ai remis mon téléphone. À présent, elle ira dire à tout le monde que tu es la cause. Eh bien, elle n'a pas appelé. Tu as eu des appels, mais ils venaient tous des hommes. Oh, super. Pardon, laisse-moi aller prendre ton téléphone, ok? Attends une minute. Qu'est-ce que c'est? Tu me dois une réponse. Est-ce que c'est un oui ou un oui? Alex, tu es une bonne personne. Et tu as été si gentil avec Sam et moi. Alors? Alors oui, je vais t'épouser. Ah. Oui. Elle a dit oui. J'ai dit oui. Elle a dit oui. Où est mon téléphone? Je dois poster ça sur WhatsApp. Je vais aller chercher ton téléphone. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah. Enfin, elle a dit oui. Est-ce que c'est réel? C'est vraiment réel? Elle a dit oui. Elle m'a dit oui. Ah. Je ne peux pas attendre de faire d'elle ma femme. Je ne peux pas attendre. Oui, oui. Je suis maintenant un père de famille. Je suis fait pour être un père de famille. J'ai maintenant un enfant. Sam. Et un autre est en chemin. Ceci est tellement génial. Vraiment super. Oui, femme, qu'y a-t-il? Alex. Est-ce que c'est à moi que tu parles ainsi? Et comment devrais-je te parler? Je n'ai plus rien à traiter avec toi. Que veux-tu? Alex, mon amour, je veux que tu reviennes. Ne me fais pas rire, s'il te plaît. Tu as... un petit ami, n'est-ce pas? Tu as refait ta vie. J'ai fait pareil. Je sais, mais... il n'est pas toi. Mon amour, il ne t'arrive même pas à la cheville. Tu es tout simplement le meilleur, et tu le sais. Écoute-moi, mon amour. Juste reviens vers moi, et je te promets que... Hey, écoute-moi. Ce chapitre est terminé, ok? C'est terminé. Et pour ton information, j'ai maintenant une autre femme. Et en plus, je l'ai demandé en mariage. Et elle a dit oui. Je me dois de lui accorder toute mon attention. Elle est enceinte de moi. Alors il n'y a aucune chance, je dis bien aucune chance, que toi et moi nous soyons bien pour ensemble. Alex! Alex, non! Non, tu ne peux pas faire ça! Je n'ai aucune envie de la tromper ou de regarder une autre femme, c'est compris? Alors fais-moi une faveur, chérie. Essaye de faire comme si je n'ai jamais existé. Tu vois, Alex,
Ah, il ne reviendra plus. Oublie-moi, ok? Je vais devoir raccrocher. Alex, non, tu... Ah, allô? Il m'a raccroché au nez. Non, je ne vais pas accepter cela. Ceci n'arrive pas. Non, ce n'est pas possible. Oh mon Dieu. Oh. Il est vraiment sérieux, ce mec. Il m'aime. Il ne retournera pas chez elle. Maintenant que je sais que ses sentiments pour moi sont sincères, je vais lui donner tout mon cœur. Alex. Ok. Retournons à ça. Qu'il ne reviendra plus vers moi. Il a dit qu'il allait se marier. De quelle femme est-ce qu'il est même en train de parler? Bou. Mon fils, mon grand garçon, mon grand garçon. Regarde ta chemise. Écoute, tu seras un gentil garçon, ok? Tu peux m'appeler papa. Écoute, dis papa. Papa. Ah, qu'est-ce qui vous rend si heureux comme ça? Sam. Sam, qui vous rend heureux comme ça? Sam dit qu'il veut une glace. La glace. Ville flatteuse. Dans tous les cas, on va l'acheter dehors. Vraiment? Alex, mon téléphone. J'arrive. Je vais aller le chercher. Ok, bébé. J'arrive. Bou. Bou. Où est ce téléphone? Un jour je vais seulement. J'ai été kidnappé par un groupe rebelle de Somaliens pendant 10 mois. Plusieurs tentatives de l'armée nigériane ont été impossibles. J'ai souffert durant ce temps. Mais la nouvelle intervention d'il y a un mois a été un succès. Et c'est ainsi que j'ai pu m'en sortir. Mais à cause de la blessure, ils ne pouvaient pas me laisser sortir. Jusqu'à ce que je sois complètement guéri. On m'a dit que tu étais mort. Mort? Par qui? L'armée? Quelqu'un... un numéro inconnu m'a appelé il y a de cela quelques mois pour m'informer. Que je suis mort? Attends, nous étions 7 soldats kidnappés, mais aucun de nous n'a été tué. Je veux dire... Il voulait juste une rançon de l'armée nigériane. Et il n'avait pas l'intention de tuer quelqu'un d'entre nous. Sinon, ils l'auront fait. Bébé, je suis vraiment désolé. Je suis désolé, ok? J'ai essayé tout ce que je pouvais.
Ce n'est pas de ma faute si on a été kidnappé. Je suis vraiment désolé. Je t'aime et je te remercie pour la patience et la manière dont tu as pris soin de mon fils. Viens là, mon garçon. Il a déjà grandi. Pas question. Pas question. Brian, tu feras mieux de rester mort. Tu es mort parce qu'il n'y a pas moyen, absolument pas moyen, que je te laisse revenir dans nos vies et voler ce que j'ai construit avec Christabel. Jamais. Comment est-il rentré? Je pensais qu'il était mort. Comment? Après tous ces mois passés, tu espères qu'on te reçoive à bras ouverts, n'est-ce pas? Tous mes plans, tous mes rêves, toutes mes visions. Pas question. Pas question. Pas question. Pas maintenant que Christabel est enceinte de moi. Pas maintenant. Pas maintenant. Je construis déjà une nouvelle vie avec elle. Oui, oui. Il ne peut pas surgir maintenant. Il ne peut pas surgir maintenant. Je ne peux pas. Comment va ton bras? Bah, ça va. Ça va, ça va de mieux en mieux. Tu sais, ma femme agit de manière étrange. Je n'ai pas encore eu une conversation avec elle depuis mon retour. En qualité de mari et femme. J'ai remarqué qu'elle est occupée à dessiner, elle est tout le temps occupée. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a une réaction opposée à celle que je m'attendais. Bien, mais tu ne peux pas lui en vouloir. Je veux dire, ton retour a été un choc pour nous. Ne me prends pas mal, mais nous avons cru que tu étais mort, mon frère. Nous avons cru que tu étais mort. Tu peux imaginer la surprise qu'elle a eue en te voyant. Tu dois aller doucement avec elle. Le temps pour elle de se refaire à l'idée de ton retour. Ok. Je lui donnerai un peu de temps. Tu l'as dit. C'était une blessure par balle. Ah oui. Ouais. J'ai été vraiment chanceux que ça n'ait pas touché l'os. Ça a juste transpercé ma chair et c'est sorti. Alors, un programme pour aujourd'hui? Tu vas sortir? Ah oui, je suis supposé rencontrer le docteur pour le pansement. Oh. Ok. Il faut que j'aille me préparer. Question d'être prêt. Je comprends. Donne-moi une minute. Je suis aussi confus que toi. Nous devons faire quelque chose. Je devrais lui dire. Pourquoi ferais-tu une telle Pourquoi chose? Pourquoi pas? Je ne peux pas continuer de vivre avec cette culpabilité. Non, 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 non. Ça ne doit surtout pas traverser ton esprit. Ok? Écoute-moi. Écoute, Christabel. Je vais régler ça. Ok? Allô? Ouais, cool. Le travail est-il prêt? Oui. Il sera en chemin pour l'hôpital militaire rue d'Oclac à 14h cet après-midi. Attends-le en face de l'hôpital. Aussitôt qu'il descend, tire sur lui.
rassure-toi de tirer sur la bonne partie pour qu'il meure. Fais-moi confiance. Je te ferai un travail propre. Nous sommes fiables. Stone, rassure-toi qu'il soit mort. Il ne doit pas survivre à ça. Je me suis fait comprendre. Tranquille, j'ai compris. Tu sais que c'est un militaire, n'est-ce pas? Il n'est pas un civil. Fais-moi confiance pour ça, c'est propre. C'est bien. Quand le travail sera fait, fais-moi un texto et je te reverserai le reste de l'argent. Ok, pas de problème. Une dernière chose. Ne laisse aucune trace. Ok, t'inquiète. Je te ferai signe. Stone, quoi de neuf? Mec, je deviens dingue. Hey, je suis fâché, oh. Regarde, le garde se pointait à 14h. 10h, pas de lui à l'horizon. Mec, moi je n'ai pas du temps pour ça, hein. Mais sérieux, mec. Ok, attendons jusqu'à 18h. Si rien ne se passe, alors on dégage. Mais nous ne rembourserons pas le butin. Le butin? Je suis fou? Je suis fou? Pour quelle raison? Je vais le retourner, hein. S'il ne se montre pas, je me casse et je m'éclate avec. Mieux que ça, mec. Restons vigilants, restons calmes. J'espère que c'est lui-là. Sûr. Restons vigilants. Ne le perdons pas. Dans quoi est-ce que je me suis fourré? Devrais-je lui dire qu'à présent, je suis enceinte de son frère? Regarde-moi. Pourquoi est-ce que j'éprouve des sentiments pour Alex? Oh Dieu! Pourquoi moi? Moi. Brian, tu m'as fait peur. Je suis désolé, je ne voulais pas. Quel est le problème? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as toujours eu à bien te comporter, ok? Mais ces derniers temps, tu n'es plus la personne que j'ai connue. C'est quoi le problème? Il n'y a rien du tout. Ok. Disons juste que je ne me suis pas encore habituée au fait que quelqu'un que je croyais mort est revenu dans ma vie. Ok. Alors, pourquoi m'as-tu empêché de me rendre à l'hôpital aujourd'hui? Je ne voulais pas juste que tu partes. Pourquoi? Pour rien. Ok, alors à l'intérieur. Ouais. Mon frère. Ouais. Comment tu vas? Je vais bien. C'est juste que... comme tu peux le voir. Je pensais que tu devais aller à l'hôpital militaire hier. Ah oui, ma femme... a insisté que je ne dois aller nulle part hier, alors... J'ai dû obéir. Tu sais comment sont les femmes. Mais je suis allé ce matin et c'est là qu'on m'a refait le pansement. Oh, je vois. C'était récent. Je suis supposé aller à la banque et ensuite à l'aéroport. J'aimerais savoir si tu pouvais m'accompagner. Oh. Ok, pas de problème. Ok, permets-moi juste de mettre quelque chose, puis on s'en va.
Salut. Salut, bébé. Hé, bébé. Ah, j'ai mal. Désolée. Comment vas-tu? Es-tu en train de sortir? Ouais, je suis juste venue m'apprêter pour aller à la banque à l'aéroport avec Alex. Puis-je te demander une faveur? Bien sûr, pourquoi pas? Peux-tu ne pas sortir aujourd'hui? Pourquoi? Pour rien. Ah, je veux juste que tu restes à la maison, que tu restes avec nous. Tu vas bien? Parce que là, tu me fais peur. Seigneur, ouais, je vais bien. Non, vraiment. Je crois que là, tu sembles vouloir développer la phobie de me voir sortir. Je ne vais pas à la guerre, je m'en vais juste à la banque. Ça, je le sais. Je dis juste, ok, pour moi et pour le bien de Sam, si tu te soucies de nous, reste à la maison aujourd'hui. Tu pourras y aller plus tard, ok? Ou bien, tu iras une autre fois. Reste juste, s'il te plaît. Je peux aller après, mais pas maintenant. Ok, bien. Je vais faire avec. Laisse-moi juste dire à Alex que je ne vais plus. Ah, ok? Tu es le meilleur. Merci. Ok. D'accord. Oh, Alex veut éliminer Brian. Il est capable de faire ça. Parce que... Ah, mon frère. Après avoir bien réfléchi... Je n'irai nulle part. Je vais juste me reposer. Pourquoi? Ma femme. Qu'est-ce qu'elle a fait, ta femme? Elle ne veut pas que je quitte la maison, encore une fois. Et que peut être la raison? Non, je pense que son problème est psychologique. Elle ne veut vraiment pas que je quitte la maison. C'est compréhensible. Et tu vas lui obéir? Allez, mon frère, allez. Je veux dire, tu as été enfermé tout ce temps. Tu auras besoin de sortir de temps à autre, de conduire, aller prendre un ou deux verres. Je veux dire, c'est pour une transaction bancaire, n'est-ce pas? Allez, on y va. Alex, là, nous parlons de ma femme. Elle ne veut pas que je sorte. Et je n'irai nulle part. Tu sais, en même temps, je la comprends. C'est dû au fait que je n'ai pas toujours été là. Alors, lorsqu'elle me voit sortir, elle pense toujours que je ne vais pas revenir. Ok, si tu le dis. Tu sais, je comprends. Tu veux un truc à boire? Non. Ça va. Alors, comment vont les choses? Devrais-je lui dire ce qui se passe? Comment le prendra-t-il? Que vais-je faire à propos de la grossesse? Alex ne m'écoute même plus depuis le retour de Brian. Tout ce qu'il veut faire maintenant, c'est le tuer. Je pense que je devrais dire à Alex d'arrêter avec ses actes diaboliques. Il est hors de question que j'épouse quelqu'un comme lui. Quelqu'un qui est capable de tuer son propre frère. J'irai le voir quand j'irai faire les boutiques demain. Je vais attendre demain. Je veux qu'on boive et qu'on s'éclate. Je pense aussi qu'il serait génial de faire une messe d'action de grâce à l'église. Ah. Allez, remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour toi. Ah, ouais. C'est vrai, je pense que c'est une bonne idée. C'est très gentil de ta part. Permets-moi de prendre des verres. Ok. Ouais, c'est parti. Ok. En fait, je pense que l'action de grâce sera très importante. Un client essaye de me joindre depuis. Ma batterie est très faible. Tu peux avoir un chargeur? Oh, laisse-moi t'en ramener. Ok, je t'en prie. J'ai vraiment besoin de le charger. Wow, ok. Incroyable, n'est-ce pas? Wow. Du poison? Non, non, non,
non, s'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît, ramenez-moi, où vous m'avez prise, s'il vous plaît. Merci. S'il vous plaît, ramenez-moi, dépêchez-vous. Oh mon Dieu, Seigneur, aidez-moi, s'il vous plaît. Oh Seigneur, aidez-moi. Alex, je dois te remercier spécialement pour tout. Tu as bien pris soin de ma famille pendant mon absence. Me remercier? Mais allez, mon frère. C'est pour ça que nous sommes des frères. Je veux dire, tu ferais pareil si c'était moi, ah, n'est-ce oui. pas? Mais frère, tu as fait du bon travail, je veux dire. Mon fils t'appelle maintenant papa. Je peux dire qu'ils sont ma famille à présent. Ça, c'est vrai. Ah... Allez. C'est en train de charger? Oui, ça oh, charge. Génial. Merci bien. C'est bien. Prenons un verre, mon frère. Oh, ah, ouais. Oui. À la santé. Longue vie. Ouais. Non! Bébé! Tu vas bien? L'as-tu bu? As-tu bu ce vin? Ryan, réponds-moi, l'as-tu fait? Je n'avais pas encore bu. Bébé, tu ne peux pas le boire. C'est lui. Alex a essayé de t'empoisonner. Que veux-tu dire par là? Il a tenté plusieurs fois de te tuer. Il veut t'éliminer. Est-ce que tu vas l'écouter? As-tu empoisonné mon verre? Et pourquoi aurais-je envie de... Alex! Je t'ai posé une question. Christabel, est-ce que tu as perdu la tête? N'ose même pas le refuser! J'essaie de tuer mon mari! Quoi? Mais j'ai écouté tes voices depuis tout ce temps. Tu as donné 500 000 Aston pour le tuer! Tu as essayé de me tuer? Mais... pourquoi? Je te demande pourquoi! Est-ce que je suis enceinte de lui? Quoi? Tu es quoi? Je te croyais mort! J'étais si confuse! Je ne savais pas quoi faire! C'est comme ça. Tu es enceinte de mon frère. Je suppose que je suis à l'hôpital. Oui, tu l'es. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis hier. Qui m'a amenée? Ton mari. Comment tu te sens maintenant? Mieux. Docteur, avant que je ne perde connaissance, j'ai vu du sang couler. Est-ce que j'ai perdu le bébé? Oui, tu l'as perdu. Nous avons fait de notre mieux pour sauver l'enfant, mais en vain. Je suis vraiment désolé. Ok? Je suis désolé. Comment va-t-elle? Oh, elle va mieux.
Elle vient de se réveiller là. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je n'avais aucun droit d'aller dans les bras d'un autre homme avant que tu ne reviennes, Seigneur. Tu me détestes sûrement et tu vas demander le divorce. J'accepte de te l'accorder. La police a arrêté Alex et ses complices. Et par rapport à ce que tu as dit, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour te ramener à la maison. Ok, je veux que ma famille et moi soyons unis. Et je t'aime toujours. Je peux comprendre ce qui s'est passé. Mes absences répétées ont vraiment tout causé. Tu peux faire ce qui te reste à faire. Mais je te promets de ne plus jamais m'absenter. Je te promets de ne plus jamais rester loin de vous. Jamais. D'accord. C'est bon, ça ira. Tu n'es jamais encore. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. I'm a soldier. You think?